Allez, salut tout le monde, c'est Azorik Pérassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 131, normalement, oui c'est ça, de notre aventure 100%, c'est bien ça j'espère, je dis pas de conneries, oui c'est ça, 131 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda. Je vais pas y arriver aujourd'hui, oh là là, bon tu sais quoi, on va reprendre la vidéo parce que c'est n'importe quoi, je fais que des conneries. Mais j'ai fait les miniatures au moins. J'ai même pas le souvenir d'avoir fait les miniatures. Arceus. Je suis 100% sûr de pas avoir fait les miniatures. Si, vas-y, pourtant. Allez, ça tout le monde, c'est Azorik Pérassi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 131 de notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus. J'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, au cas où, les amis, je vais très bien, beaucoup mieux que dans l'épisode précédent. En fait, au cas où, j'ai pas enregistré de vidéo d'Arceus depuis au moins une semaine. Là, ça fait au moins une semaine chez moi, une semaine et demie. Et en fait, c'est ce qu'il me manquait tout simplement pour revenir correctement dans le jeu, surtout parce que souvenez-vous, on s'était quitté, on va dire, avec une petite lassitude, hein, parce que voilà, c'était une petite lassitude, les amis. Hein, je vous avais dit que peut-être c'est parce qu'on avait fait beaucoup d'Arceus, je pense que c'est d'ailleurs le problème. Mais voilà, donc on se retrouve après, voilà, une envie. Alors, au cas où, je vous précise quand même, je vais pas tout enregistrer cette session aujourd'hui parce qu'en fait il y a du coup 6 épisodes cette semaine, donc voilà, donc il y a du boulot. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent on était passé membre 8 étoiles, voilà, membre 8 étoiles, il nous en manque plus que 2, hein, sachant qu'il nous faut environ 10 000 points pour atterrir au rang supérieur, ça va être assez fou. Au cas où, avant de commencer la vidéo, je tiens à faire une dédicace à Monsieur Playtendo, je crois que c'est ça. Monsieur Playtendo qui, du coup, au cas où, regarde mes vidéos, hein, précisément, avec une personne qui s'appelle Film Movie. Donc, une petite dédicace, enfin, une petite, même une grosse dédicace à eux. Voilà, donc, c'est des gens avec qui je commence à bien sympathiser. Et du coup voilà, donc, voilà, au moins, j'y tiens. Et du coup, ben, voilà, petite dédicace à vous. Et donc, du coup, ben, les amis, on va pouvoir s'attaquer tout simplement à notre aventure. Alors du coup, je sais même plus ce que vous avez dit. Oh, c'est Giratina, elle est magnifique. Je sais même plus ce que vous avez dit dans l'épisode précédent. Quel Pokémon on irait s'attaquer? Bah si, c'était Cradopo, il me semble. On s'est dit qu'on allait s'attaquer à Cradopo. Bah du coup, bah les amis, c'est parti. Je pense que... faire évoluer ou pas, spécimen que vous avez fait évoluer. Ah oui, donc c'est vrai qu'il nous en manquait un justement à avoir avec nous, c'est ce qu'on s'était dit dans l'épisode précédent. Donc du coup, bah, les amis, en direction du Marais Carmin, donc on va aller se rendre ici. Et on va tenter du coup d'attraper plein de petits cradopos, sachant que en fait, c'est pas non plus, ça va pas être non plus très long, je pense pas, ou tout dépend. Mais je pense pas non plus que ça soit ultra ultra long. Alors par contre, petite chose à faire avant de commencer, avant de partir, tout simplement, on va juste augmenter le son de mon côté parce que je n'entends que dalle. Bon, alors du coup, les amis, je sais plus où il... Alors, je sais qu'il y en a ici, mais on va un petit peu voir dans les petites tâches Pokédex où il y en a précisément. Donc, bon, il y en a au contrefort couronné, mais on s'en bat les couilles. Et au Marais Karma, par contre, c'est là où il y en a le plus. Marais Bouche B, Marais Carlate et l'île de l'épreuve. Je crois que ça forme une genre de ligne, en fait, si on veut, voilà, marcher... Ouais, c'est ça, Marais Bouche B, île de l'épreuve et Marais Carlate. Donc, ça forme une genre de L, on va dire. Donc on va tenter aujourd'hui de faire les trucs avec Cradopo. Dernière petite vérification. En spécimen attrapé, on doit en attraper 15 au total, donc il nous en reste plus que 14. À vaincre, par contre, on doit en vaincre 40. Il nous en manque plus que 35, c'est déjà beaucoup. Spécimen que vous avez équipé par une capacité de type psy, donc c'est un truc que nous avons avec Cresselia, il me semble, ou Crafadé, Cresselia, je crois. Même Crafadé aussi, mais je crois que nous avons Cresselia avec nous. Donc on doit tuer 20, donc bon, ça sera easy, hein, tout simplement. Utiliser, l'espèce utilisé bombe à, enfin, boubombe, donc 25 fois, donc il nous en reste plus que 24, dans lequel on va devoir en plus l'utiliser derrière. L'espèce a été effrayée par un sachet pétarade, donc 5 fois. Apparente différence constatée 2 fois, donc c'est dû au fait qu'on doit l'attraper, tout simplement avec une autre différence. Mais je pense qu'avec les 14 qu'il nous reste, on les aura tranquillement. Donc il nous en restera plus qu'une. Et spécimen que vous avez fait évoluer, donc ça sera également plus qu'une. Alors du coup, les amis, c'est parti. On va s'attaquer à ça. Alors avant de s'attaquer à ça, quand même, attendez, je dis peut-être une connerie, mais on a les sachets pétarades avec nous ou pas? Non, là. On n'a pas les sachets pétarades. Heureusement que je vérifie, hein. Avant de partir
à l'aventure. Alors, est-ce que nous avons des sachets pétarades? Des sachets pétarades, c'est ça, non? Non, ça c'est pas. C'est ça. Ok, donc, est-ce qu'on peut quand même, au lieu d'utiliser cela, est-ce qu'on peut s'en faire un petit peu? Oui, on peut s'en faire. Donc, on va s'en faire une 5. Donc, on doit utiliser 5. Et vous savez quoi? Par sécurité, on va s'en mettre 5 de plus. Voilà. Non. Ah! Voilà, 5 de plus. Voilà. Comme ça, au moins, on a une sécurité. Et les amis, c'est parti! Allez, go! On y va. Alors, sachant que c'est des Pokémon quand même un peu agressifs, donc peut-être la capture sera un poil plus compliquée que la normale. Mais bon, voilà. Donc, c'est à partir d'ici qu'il faut faire très attention. Hein. Ils sont en général dans l'eau. Donc, vous savez quoi? On va directement. Ça brille de mille feux, mais c'est pas un shiny. C'est juste une boîte de foin un peu rare hein, qu'on ira buter, hein, je vous le dis. Ok, donc on va y aller de mollo tranquillement. Alors, ok, on envoie là-bas. Donc, ouais, on envoie là-bas. Donc, sachet pétarade. On doit quoi? Les viser? On doit quoi? Effrayé par un sachet pétarade. Ah, j'imagine que c'est une sorte de. Une sorte de boule de pét. Enfin, ouais, un genre de grenade quoi. On sait quoi? On va directement faire ça déjà pour commencer. Voilà. Ok, je t'ai eu. Ah bah on en a effrayé deux. Ok. C'était pas volontaire. On en a effrayé deux en même temps. Alors le deuxième, je sais pas où il est, mais on en a effrayé deux. Oh bah tant mieux, hein, écoutez en même temps. Ah bah c'est peut-être lui en fait. Ah oui bah vu c'était une grande zone donc peut-être. Par contre le baron il est pas shiny là-bas par un extrême hasard. Non. Alors au cas où j'ai compris quand même. Non non il est pas shiny. J'ai compris quand même l'histoire un peu des shiny chromatiques tout ça machin chose. En fait non le truc chromatique ça permettra d'avoir. En fait c'est le nom français d'après ce que j'ai compris de ce que Film Movie m'a dit. Mais c'est qui me. Ah d'accord. Bah du coup tu vas y passer. Donc voilà, c'est en gros tout simplement la version VF. Donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, ça s'appelle comme ça. Mais sinon, voilà quoi. Et du coup, coup psycho. Alors par contre, vu qu'on en a attrapé un, on va directement, vous savez quoi, on va pas perdre de temps. On va directement se téléporter là. Tout simplement, juste histoire d'avoir du coup celui qu'on a capturé dans l'inventaire. Hein. Donc viens ici, toi. Oui, voir mes Pokémon. Oui, je voudrais bien voir mes Pokémon. Donc on va aller vers ici, c'est. Non pas ici, mais il est où alors? La petite. Oh mon dieu. En fait, il y a tellement de Pokémon là-dedans. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ma boîte, elle est remplie. Mon dieu, on perd du temps comme ça, mais c'est un truc de dingue. Je sais pas où il est. Mais what the fuck? Je sais pas où il est. Non, il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Pas là, pas là, pas là. Il est sûrement dans un. Je l'ai sûrement passé. Hein. Tout ce qui est. En fait, il faut que je fasse attention à tout ce qui est d'une couleur un peu foncée chez moi. Mais je ne le vois pas. Mais c'est une blague, je ne le vois pas du tout. Ah non, il est avec moi! Je suis con, hein. Il est avec moi, bah c'est vrai que j'avais libéré la place de l'inventaire. C'est moi qui est débile. C'est pas très grave. On a perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas très grave. C'est moi qui est débile, putain, je vous jure, mais quel idiot. Quel idiot. Par contre, on va profiter d'utiliser notre Cradopo. Alors, je sais pas en niveau d'évolution, est-ce qu'il faut atteindre un niveau précis? Est-ce qu'il faut du bonheur? Donc, on essayera d'atteindre au moins niveau 30, voire 33. Et puis, s'il faut du bonheur, ben, on farmera ça, tout simplement, avec du bonheur. Donc voilà. Par contre, honnêtement, j'espère que je vais pas me faire non repérer. Parce qu'en fait, c'est un Pokémon dans lequel. On peut se faire repérer facilement, surtout que il a l'air paumé, mais super. C'est pas du tout ce que je voulais. Bon, bah tant pis. Ouais, en fait, vraiment, le souci, c'est que ce Pokémon, pour l'attraper, ça va être une horreur. En fait, on n'a pas trop de cachettes, en fait. On n'a pas trop de cachettes, donc c'est un petit peu dramatique. Alors, c'est vrai que peut-être pour un Pokémon comme ça, les plumes ball, ça pourrait être bien. Mais bon, on verra si on trouve. Enfin, si on voit qu'on galère trop, on prendra des plumes ball. Sinon, bah tant pis, hein, on continuera comme ça. Mais ouais, donc normalement. Ok. Alors là-bas, il y a quand même celui qui brille de mille feux. On va quand même. Alors, je suis pas fan de vous. Oh, vous êtes chiant. C'est un Pokémon, ça en fait. Vous savez quoi? On va rester là. Je me repère pas, hein. D'où tu m'as repéré?
Ah putain, c'est toi! Oh, mais ils sont deux! Bah. Orange. Je savais pas qu'en fait ils étaient derrière moi. tant pis. Ok, donc. Bon, en fait, à les battre, ça va pas être non plus très difficile vu qu'il y en a énormément, je trouve. Il y en a beaucoup quand même. Ok, par contre, la seule difficulté c'est qu'on peut pas se baisser quand on est dans l'eau. On va se déplacer lentement. Hein. Oh, je dis me déplacer lentement, mais je suis con quand même. Hein. Je suis con comme un balai. C'est quoi? On va l'effrayer. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Bah, heureusement qu'on en a pris plus que prévu. Bon, tant pis, on va l'affronter. Hein. Ah, bah, super, il va faire nuit alors que... Bon, on va quand même dormir hein, tout à l'heure parce qu'on va pas faire ça de nuit. On veut quand même avoir un maximum de visuels. De visu, parce qu'en fait le souci c'est que il y en a tellement que déjà je les vois pas. Alors là ça va être encore pire. Comment je peux faire? Allez, 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 allez. Je vais me faire repérer par l'autre, ça c'est sûr. Mais non, mais putain, j'en peux plus. D'où t'arrives à me repérer, quoi? Putain. Oh, je comprends pas. D'où ils arrivent à me repérer, quoi? Oh là là, pour l'attraper, ça va être la merde. Oh, pour les attraper, ça va être la merde. Vous savez quoi? Vite, vite, vite. Est-ce que j'aurai le temps? Bon, reste derrière, derrière, derrière. Pas faire Furex. En fait, je pense qu'on est assez... non, attendez. On va attendre un petit peu. D'où? D'où? Excuse me, d'où? Mais non! Oh. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut te buter avec toi. Par une capacité de type vol. Vol, c'est... Ta vol, toi, non? C'est toi ou l'autre? Je sais même plus. Je crois que c'est pas le cas, mais j'en suis pas sûr. Ouais, je crois que c'était pas le cas. Ouais, tant pis, hein. Vol. Ah, pas vol. J'ai juste envie de me tabasser les couilles. Bon, c'est pas grave. Même si c'est inefficace, à mon avis, on le instant kill. C'est une blague. Genre, l'instant pas kill. Par contre, j'ai un peu abusé d'utiliser que de fer. Ok. On va y arriver quand même, bordel de merde, non? Le souci, c'est les attraper, quoi. Comment tu fais les attraper, toi? Ok, alors, il est très proche. S'il se retourne, c'est bon, il est à nous, voilà. T'es à nous, toi. C'est une blague. Je reviens, je vais m'éclater la tête contre le sol. Mais quelle malchance, c'est incroyable. Genre, elle atterrit à 1 mm de lui. Je crois qu'honnêtement, je l'aurais eu à 1 mm. Si je m'étais approché d'un millimètre de plus. Putain, ou viser un peu plus haut, quoi. En plus d'être petit, d'être... Que c'est compliqué à les... Aller voir, enfin, c'est très compliqué quoi. Et on n'arrive pas, oh, je vous jure, j'ai juste envie de me tabasser les couilles. Non, 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 je me repère pas. C'est quoi? C'est le moment. Mais d'où? Mais d'où? Mais d'où? Mais non, mais... Oh, je vais péter les plombs, vas-y. Cassez-vous, de nuit, c'est la merde, de toute manière, donc... Vous savez quoi? Ah oui, je peux plus fuir, bah oui. Enfin, dans le sens, je peux pas me TP pour le moment. Oh, putain, oh, j'en peux plus, les gars. Oh. Oh là là, non, mais là, je suis à bout. Je suis à bout. Bon, 10 cradopo. Wow, on en a attrapé seulement 2. On en a attrapé seulement 2. Ça fait flipper, parce qu'il nous en reste plus que 13. Ça fait très flipper d'ailleurs, cette connerie. Alors, allez, c'est parti. Ok. Alors là, il faut les repérer cette fois-ci, il faut pas se faire baiser. Parce que sinon, ça va pas le faire. Non, non, mais non, tu m'as pas vu, t'as perpète les oies, tu peux pas me voir. Putain. Je suis derrière le pilier, tu peux pas me voir.
Un peu plus haut. Non, 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 non. On reste là, pas bouger. Allez, retourne-toi. Allez, retourne-toi. Petit cradopo. Là, ça fait du bruit dans... Bah alors, la vidéo, tu veux pas? C'est bon, ça remarche. Super. Que des conneries. Bon, en fait, faut légèrement bouger le stick. Bon, 3 sur 4. Bon, au moins, ça nous en fait un supplémentaire. On va tenter. Lui, il dort. Si on y arrive à l'avoir pendant qu'il dort, ça m'arrangerait. Je suis con, hein. Mais c'est une blague! Mais en fait, le problème de la Pokéball, en fait, quand ils sont sous l'eau, c'est qu'elle se noie. Donc en fait, là, j'aurais pas pu, j'aurais jamais pu l'attraper. Oh là là, putain, je vous jure, quel manque de bol. Bon, c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Quand ça veut pas, ben ça veut pas. Hein. Alors, du coup, prochain. Ah, j'ai juste envie de me tabasser les couilles, vous pouvez pas savoir. Bon, c'est pas très grave. Enfin, si, un peu, mais bon. Derrière. Rien. Ouais, ça là, ça que je commence à péter les blonds. Ouais, le jeu, il est pas avec nous. C'est ça qui est chiant. Quand le jeu est avec toi, ça va, mais quand le jeu n'est pas avec toi, c'est chiant. Surtout que c'est des Pokémon de fils de pute qu'il faut attraper. Attendez, je vais tester un truc. Il y a des piliers, c'est pas pour rien. On peut se mettre dessus, à mon avis. Et il me repère pas si on se met dessus. Non, mais... Mais monte un peu plus haut, quand même. Allez, monte un peu plus haut. Voilà. C'est bon, voilà les amis, c'est bon, ça a arrêté de bugger. Alors vous avez rien loupé, hein, je viens de partir du pilier. Après avoir capturé les deux, je pense que vous l'avez légèrement vu, mais voilà, c'était un peu compliqué malheureusement. Là, je sais pas pourquoi, la vidéo elle bug un peu aujourd'hui. Je crois que c'est la chaleur, le PC. Attendez, en fait, je suis con parce que en fait, d'habitude, je mets le ventilo. Voilà, je vais laisser le ventilo sur l'ordi pour l'unique et bonne raison que sinon il va mourir. Il va décéder l'ordinateur et c'est pas le moment qu'il décède, hein, je vous le dis clairement. C'est clairement pas le moment. Alors par contre toi, je m'en fous, t'es à moi, que tu le veuilles un peu plus haut. Parfait, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. Oui, on l'a eu. Ça va, je me suis dit on va se manger un karma à la gueule, on va rien comprendre. On va se manger un karma. Par contre, c'est normal qu'il y a deux barons les uns à côté des autres, ça va ou... Ça va, oui ou... On se rapproche dangereusement du cradopo. Thank you. En fait, il faut juste viser à la partie un peu plus haute, en fait. Ah, 7 sur 10. Enfin. Ok. C'est pas des shiny, hein. En fait, on a tellement eu un moment où une apparition de baron shiny. Putain, ça serait bien d'avoir tous les versions baron au niveau des shiny. Ça serait le top, honnêtement. Je pense qu'honnêtement, ouais, ça serait bien le 100% du truc. Alors du coup, les amis, ben, on va tenter d'aller ailleurs. Je pense que maintenant, il n'y a plus rien là. Donc le prochain, c'est le marais Carlate. Donc c'est ce côté. Ouais, c'est là. Donc on va aller sur ce fameux marais Carlate. Non. Hop le bonjour, merci. Ouais. Alors ici. Il est censé y en avoir, soi-disant. Il n'y a que des moufettes, hein. Mais c'est un troll, il n'y a que des moufettes ici. Ah si, il y en a quand même des crados. Oh putain, d'accord, ouais, entre les moufettes. Des... Ouais, en plus, je crois que. Bon, lui il me fait pas mal s'il me détecte. Mais en revanche, la moufette derrière là-bas, baron, je suis un peu mitigé hein, sur l'histoire de ce qui va se passer. Perfect. Oh, attendez, les amis. Mon truc, il vient de... Comment ça s'appelle? Mon truc vient de s'enregistrer. Ouais, en même temps, je fais tellement de choses en même temps, les amis. Vous pouvez pas savoir. Je vais travailler et de faire les vidéos en même temps. Voilà. Nickel, Chrome.
Parfait, c'est pile ce que je voulais. Comme ça, ça reste là. Et du coup, c'est reparti. Oui, donc du coup, bah, les amis, moi, je vais profiter de vous laisser, en tout cas, vu qu'on est arrivé à 20 minutes de vidéo déjà. Mon Dieu, ça passe d'une vitesse incommensurable. La fois prochaine, voilà, la fois prochaine, on tout simplement, on continuera notre recherche encore des cradopos. Hein. On peut voir qu'on quand même, on commence à aller sur une, on va dire, sur une fin, on va dire ça comme ça. Je pense qu'honnêtement, parce qu'il nous en reste plus que 7 au total à attraper, dont au moins 27 à tuer au total, dont à tuer 12 avec les capacités des psy. Il nous en restera en revanche par contre 24 fois à utiliser bombe. Je pense à 3 vidéos ça peut le faire. Et du coup 2 fois on doit utiliser tout simplement des sachets pétarades pour les effrayer. Allez du coup bah d'ici là. Oh non, ça peut du cul cette histoire. On va très bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.